Nous souhaitons la bienvenue à la porte de Carcle 4. Il y a des clôtures de mine. Saint-Odoro est la destination Ouitrons. Il était entouré d'immeubles construits en maçonnerie de pierre et débris pour éviter les vols de mercure, en particulier dans les zones de la métallurgie. C'est l'un des deux parties qui a porté au Moreige et qui a fermé les clôtures de Ouitrons. Dans ce port, un contrôle hydrologique a été effectué dans les sorties de charretées tirées par des boues ou des molettes, chargées de l'eau séchée d'argent vif. Se dirigeant vers la terrasse de Séville pour les postérieures blanquettes en Amérique, pour les projets ces fonctions et l'obtention de l'argent et or. Fini de construction en 1795, sous la gouverne de Carles IV, il construit l'un des temples les plus chers de l'architecture néoclassique de Castille-La Mancha. Ses deux côtés sont très emplacés, comme des plans construits en briques. La façade extérieure a été centrée en par arcs chevauchés avec les impostes et les colonnes des autres toscans sur pilastres. Les chambres s'achèrent par un fronton sur lequel cet adage les rangs bouclés rochers au centre du tympan. À gauche de cette portée, en chemin de muret, se trouvait la porte des carreaux, actuellement restaurée. Construite au XVIIe siècle, c'était la porte principale de la cour Ouitrons jusqu'à la construction de la porte de Carles IV. Alors a été bouchée avec de la pierre et incorporée dans les murages. C'est une sculpture très simple faite de bois, de maçonnerie en triconfort, clôture de réalisation de briques. L'embrasure est roulée avec un arc façonné en bâché avec un petit toit encroupé. Maintenant, nous allons visiter l'endroit d'intérêt suivant.